Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la semaine, je ne sais plus combien. Voilà. Semaine 13, voilà, c'est ça. Semaine 13 du fil rouge donc de Bérangère. Voilà. Cette semaine, donc semaine du 28 mars au 3 avril, c'est le thème poisson. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément de référence, juste un petit souvenir qu'elle a marqué. À côté, mais bon, voilà. Du coup, thème poisson. Voilà, quand j'ai vu poisson, j'ai fait ok, c'est bon, je sais ce que je veux. Et c'était elle que je voulais. Voilà, c'est Dory, c'est Dory, c'est moi, c'est Dory. Voilà, j'étais obligée de la. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, du coup, j'ai préparé ça. J'ai préparé trois petites phrases. Je vous les ferai voir après quand je les mettrai. Et ben là, on va faire mumuse. Voilà. Je vois à peu près l'esprit que je veux, un peu fond marin, des bubules comme j'aime. Voilà, quoi, on va pas chercher à faire compliqué. Désolée, hop là. J'ai dit, on va pas chercher à faire compliqué. Aujourd'hui, on va faire des bubules. Un petit peu de bleu. Je sais pas pourquoi il y a des marques sur ma feuille. J'ai juste à sortir pour toi. Bref. Et puis voilà. Voilà, puis on verra par la suite si on rajoute des choses, des éléments, des petites. Mais quoi qu'il en soit, ouais, notre image principale, ça va être Dory. Parce que je la kiffe. Sinon, bah du coup, c'est parti. Go. Pour ça, je vais me munir de pochoir. Alors, je sors ma petite boîte. Ma petite boîte. Comment vous dire qu'elle n'est pas si petite? J'ai toute une étagère juste avec mes pochoirs. Et je veux du coup de la bubule. De la bubule, des ronds, des cercles, quelque chose de sympa. J'ai même pas. J'avais plusieurs pochoirs sales, c'est pas bien, je sais, mais ça faisait un moment qu'ils étaient pas. Ils étaient sur mon bureau, sur ma table derrière, que je n'avais pas rangé, que je n'avais pas nettoyé. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai tout lavé, mais que je ne les ai pas rangés. J'ai plein de poches vides. Voilà, donc là on a du rond. Et lui, je crois qu'il a un peu de rose aussi éventuellement sur lui. Bref, on va sortir. J'ai plein de poches vides. Regardez-moi ça, c'est le bazar. Ils sont toutes vides. Là, j'ai du rond comme ça. On va voir. Je vais sortir, on va voir. J'ai du rond comme ça. Celui-là, non. J'ai celui-ci. J'ai du rond comme ça. Je crois qu'en rond, hein, j'ai. Voilà quoi. J'ai de quoi faire. Encore des pochettes vides. Ceux-là, non. Pas ceux-là. Des étoiles. Non, ça, non, ça, non. Ça pourrait faire un peu esprit vague, mais non. On va rester sur les bulles. J'ai celui-ci. Faut vraiment que je les range dans les. dans les pochettes. J'ai celui-ci, mais je ne l'ai pas lavé. Pourquoi il est là s'il n'est pas lavé? C'est que je l'ai lavé, mais il a mal nettoyé. Enfin, je le relave. Celui-ci, mais il ressemble à l'autre. On va pas abuser. Là, je suis vraiment en train de regarder tout ce que j'ai dans l'esprit bubule, tout ça. Tac, tac, tac. Non, non, non. Ouais, je crois qu'on est plutôt pas mal. Hein. J'en ai un autre. Oh, non, 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 non. Marie, t'abuses. T'en as trop. Ouais, bon, allez, go. J'ai fait à peu près le tour. À peu près. Le problème, c'est que si je m'arrête pas, j'en mets trop et ça va être chargé. J'arrivais plus à mettre mon étagère. Hop! Déjà, il va falloir que je me décide parce que je vais pas utiliser tout ça, faut pas abuser. On va sortir un ou deux tampons avec des bulles. Alors, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Attendez, j'arrive, je regarde. Oui, j'aurais pu les sortir avant. Je sais, mais j'ai pas fait. J'ai lesquels avec les bulles? J'ai ceux-là, j'ai ça. On va s'arrêter là. Je suis en train de tout sortir, ça va être ça. J'ai tout rangé, mon foutoir, et je vais le remettre dans 5 minutes. Bon, j'ai sorti celui-là parce qu'il y en a un là, plus les deux petites bulles là. J'aime beaucoup. J'ai sorti celui-ci parce qu'il y a les bulles là. Et j'ai sorti celui-ci que je kiffe parce qu'il y a tout plein de bulles ici, ici. Bah non, celui-là, il fait partie de ça. Enfin bon, il y a celui-là, les deux bulles ici.
Donc ça peut être pas mal. Voilà. Donc on va faire mumuse avec ça. Je ne vais pas ancrer mon fond. Je vais juste faire mumuse, ben, avec mes pochoirs, mes tampons. Et ça sera déjà pas mal, je pense. On verra comment ça avance. Je sors des petites brosses. On va sortir des petites encres bleues. Bon, on va en prendre deux, de toute façon. Je vais en prendre une autre si j'ai besoin. La Lagoon et la Broken China. Donc, Mermaid Lagoon et Broken China. Voilà, voilà. Je voudrais juste voir ce qu'elles font. Est-ce que je l'aime, mon petit nuancier, là? Je regrette vraiment pas d'avoir fait... Je m'en sers tout le temps. J'aime bien voir les rendus. Ouais, c'est un bleu un peu plus foncé, Dory. Hein. On pourrait remettre du Stormy Sky qui lui ressemble un peu, peut-être au niveau des tamponnages. À voir. Il faut juste que je la trouve. Elle est là. Au niveau des tamponnages, ouais, si on met un petit peu plus foncé, ça peut être pas mal. Vous voyez l'esprit? Mais ouais, pour la mer, entre guillemets, les bulles, on va prendre les deux plus claires. Et pourquoi pas une touche de jaune, vu qu'il y a du jaune. Pourquoi pas, on va prendre la classique, la Limelade. Bon, je sais pas encore si je m'en servirai, mais elle est là. Voilà pour ça. Du coup, de quelle bulle va-t-on se servir? Mettre deux trois sortes de bubules, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, ça aurait été pas mal, mais deux secondes, j'ai du bleu normalement. Ouais, c'est plus du turquoise, c'est pas vraiment du bleu. Ouais, je me rachète une poudre dans les tons bleus. Donc non, du coup, pas de poudre à embosser cette fois. Bon, c'est pas grave. Bah je réfléchis. Je vais peut-être me servir de celui-ci, que j'aime beaucoup, et de celui-ci pour faire des plus grosses bulles par-ci par-là. Ouais, je pense que tous les autres là, hop, de côté. Donc, déjà, faut que je vois si lui il est propre. Ouais, c'est peut-être qu'il était sale, tout attaché. Peut-être, peut-être. On verra bien. Bon, bah, c'est parti, go. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Hop, on va prendre une des deux. Alors, il y en avait une plus, un peu plus claire, une un peu plus foncée. Je veux revoir mes couleurs. Là. On va prendre la Lagoon pour faire ce pochoir-là. Je vais essayer de me centrer un peu mieux. Enlever le bazar autour. Dory, je t'aime beaucoup, mais tu vas peut-être te bouger un peu. Donc, on ne va pas en faire trop, on ne va pas en abuser. On va essayer de faire ça comme ça. Par contre, je vais peut-être modifier. Je fais des bêtises. Je vais prendre la toute petite, petite brosse. Vous voyez, elle est vraiment toute petite, minuscule. Parce que je ne voudrais pas trop dépasser. Sur... Bon, si je dépasse, ce n'est pas grave, mais je ne voudrais pas trop dépasser. Là. Non, c'est bon. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est parti. Hop, je prends mon encre. Ça risque d'être un tout petit peu long parce que c'est une toute petite brosse, mais bon. Donc, quoique. Là, c'est vraiment question de... Voilà. De calculer un peu où je vais avec ma brosse et ne pas aller n'importe où. Hop. Magie, magie. J'ai mis pause le temps de continuer à faire mon pochoir. Hop, je nettoie un petit peu là. Et je vais venir... Oula, pardon. Je vais venir en remettre un petit peu en haut. Je pense. Ouais, j'aime bien l'effet rendu. Bon, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. On voit un peu les démarcations. Mais beaucoup moins que si j'avais pris une grosse brosse, en fait.
Donc, du coup, je viens refaire la même ici, peut-être un petit peu moins même. Hop. Et je vous reprends en 2 secondes. Je suis de retour. Réflexion faite. Je vais prendre de la poudre à embosser holographique. Voir si mon encre n'est pas encore sèche-sèche. Ça fera un effet de brillance. Ouais. Ouais, j'aime l'idée. Ça fera un petit effet de brillance un peu fond marin, ça brille, les petites sirènes. Ouais, bref, vous voyez le délire. Délire à la Marie. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura un petit peu. Par contre, là, ma poudre holographique, c'est vraiment le fin fond du fin fond du pot. Hein. Il va vraiment falloir que je voie pour en reprendre. On va pas être pour tout de suite. Hein. Hop. Du coup, je mets pause, j'embosse et je vous fais voir. C'est bon. Regardez-moi ça. Ouais, vous allez le voir. Petit effet brillance. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, pour ça, j'ai l'impression qu'on n'y voit que dalle. Ah, attendez. Hop. Il fait jour, mais il y a du grand soleil, mais. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Toujours en train de me plaindre du temps. C'est pas évident pour filmer la lumière. Bon, bref. Du coup, deuxième pochoir, il est ici. Dory, Dory, reviens par là. N'y a pas grand-chose, mais j'aime déjà beaucoup. On va venir faire des petites bulles comme ça ou pas? J'ai un doute d'un coup. J'ai un doute tout à coup. Je pense que je vais pas prendre celui-là. Ah! Flûte, flûte. Aïe. J'étais partie dans mon délire et tout, là. Et puis au final, j'ai un gros doute. Je ne sais point quoi faire. Sinon, je prends celui-ci. Un petit peu plus petite, ouais, mais j'aimais bien le fait qu'il y en ait des grandes et des petites. Ah yeah, je bug. Bon, ben voilà. Comme quoi, j'ai des idées qui viennent et puis. Ça m'embête et ça m'embête parce que je ne sais point. Minutes de réflexion. Ouais. Non, mais je réfléchis trop en fait. Faut pas que je réfléchisse. Faut que je fonce, mais ouais, je sais pas. Tac, tac, tac. Bon. Allez, go, je prends mon autre couleur. Donc là, Broken China. Je prends une petite brosse. J'ai beau dire ce que je suis en train de faire, j'hésite encore. Hop, et c'est parti. Alors, soit mon pinceau est sale, soit mon encre est foncée. C'est bizarre. Elle n'est pas censée être comme ça. Je ne sais pas. Bref. Trop tard, c'est fait, c'est fait. Hop, je mets pas pause, hein. Je garde avec moi un petit peu quand même. Alors, je voulais pas faire cette grosse bulle, mais comme j'ai débordé, eh ben je la fais du coup. C'est pour ça que je dis que la petite brosse est bien aussi. Quand on va dans les bords là, parce que là, j'y arrive pas. Si j'ai bien fait les choses ou pas, si je suis passée en dessous du pochoir,
Là. Oui, bon, j'ai débordé un petit peu. Mais bon, c'est léger, ça ne se voit pas trop, donc ça me va. Donc, OK pour là. Du coup, ben, je vais en refaire aussi en haut, hein, tout en haut, de l'autre côté. Faire un petit rappel. Comme ça, pas comme ça, de toute façon, ça revient au même. Je dis un petit rappel. On va prendre du washi. Du masking tape. Hein. Basique, classique, si je trouve le bout, là. Et on va faire ça mieux. Je vais me remonter un petit peu. On va faire ça mieux, on va faire ça comme ça. Du coup, je ne veux pas de ces bulles-là. Hop, voilà. Clairement, je ne veux pas de celle-là. Au pire, la petite, oui. Je ne veux pas de celle-ci. Regardez celle-là en petite et je ne veux pas de celle-ci. Hop. Hop. Si avec ça, je ne fais pas les choses à peu près correctement, hein, je ne sais pas ce qu'il faut. Alors là, je vais remettre un bout ici. Et là, je vais remettre un bout ici. Bon. Hop, ça ira plus vite. Du coup, hop, c'est parti. J'adore me servir de ces brosses. Oups là. La chie qui s'est relevée. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Et on est déjà à 17 minutes. Oh là là. Pas assez vite, Marie, pas assez vite. Hop, 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 allez. Hop là. Ouais. Bon, bah, j'ai quand même réussi à déborder un petit peu. Hein. C'est point grave. J'avais pas un. Si. Hop. Mon chiffon, je sais pas où il est. Bref. Donc, on en est là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bavouillé. Donc on en est là, on en est là. Rien d'exceptionnel, hein. Mais j'aime bien. Hop. Du coup, je vais nettoyer un petit peu mon pochoir. Hop. J'en nettoierai correctement après, mais au moins le plus gros il fait. J'ai les mains toutes bleues. On va venir faire mumuse avec nos tampons. Mais je crois pas en fait que je vais prendre les gros. Je vais me servir que de cette planche-ci, je pense. Hop. Là, on va sortir des blocs. Il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, je sors les 4, comme ça j'ai directement ce dont j'ai besoin. Donc 1, 2, 3, et le petit, on va faire l'inverse, on va mettre hop, petit là, le plus grand ici. Là, du coup, on y va à la Versafine noire. Et là, c'est parti, on va faire mumuse. Et je viens tamponner de ci, de là. On va enlever Dory. Oh, je sais pas. Je sais pas tout à fait où elle va aller pour l'instant, mais bon. Hop. On va prendre le plus gros. Là, le moyen. La moyenne, c'est une bulle, mais bon.
d'en mettre d'autres. Hop. Pas si vous avez vu ce que j'étais en train de faire, j'ai caché un petit peu des traces de bleu qu'on voyait dépasser. Bah ouais. Fait mes muses en même temps, mais si je peux rattraper mes petites bêtises au passage, hein. Question qu'on les voyait pas ou peu. Ah ben pourquoi pas. Bah on est pas mal déjà là. 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 On va reprendre la petite. Hop. Hop. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Hop, je vais carrer tout ça après. Du coup. Du coup. Je vais commencer par ancrer le bord. J'ai pas fini, hein. Rien n'est fini. Vous inquiétez pas. Ça va pas rester comme ça. Mais je vais ancrer mon bord de page. Je fais ça hors vidéo et je reviens. Donc, j'ai ancré en noir le bord de ma page. Faut que je fasse gaffe là où il y a de l'embossage à chaud parce que ça sèche moins vite, en tout cas. Ça me perturbe. Je sais pas si vous allez voir. Bon, pas forcément. Quand je mettais les mains sur le pochoir, ça me fait plein de petits ronds, ça me fait tout bizarre. Bref. Oui, on s'en fiche. Oui, je sais. Mais j'avais envie de le dire. Alors, du coup. Notre petite Dory. Ouais, je la verrais bien par là, non. Je la verrais bien par ici. Mais on n'a pas fini. Je vais venir prendre un. Alors, je ne sais pas s'il marche encore, mais j'espère. Petit crayon blanc. Je vais juste vérifier qu'il marche. Hop là. Ouais, il est vraiment très léger. Hein. Je ne sais pas vraiment si on va le voir, mais bon, on va tester. Donc, je reprends. Mon pochoir, comme ceci, il faut juste que j'arrive à retrouver tout... comment j'étais mise tout à l'heure. Alors, non, non, non. Dans l'autre sens, non. Ah, je sens que je vais galérer. Je reviens. C'est bon, j'ai trouvé la forme. La forme. De comment j'avais mis mon pochoir. En fait, je ne vais pas prendre le crayon blanc comme ça. Je vais prendre le petit Posca. Ça se verra plus. Ben, c'est pas celui-ci. D'accord, super. C'est un plus petit. Oui, il est là. Hop. C'est ça. Et la différence entre mon crayon blanc de tout à l'heure et le Posca. On voit bien la différence. Du coup, je vais bien me positionner. En fait, je ne sais même pas pourquoi je m'embête avec ça. Est-ce que je m'embête avec ça ou pas? Bah non, je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Je vais y aller comme ça. Oula, je vais y aller comme ça à main levée. Et bien, dis donc, un peu comme pour faire des reflets dans mes bulles. Par moment, j'en fais deux, par moment, j'en fais qu'un. Bref, je. À ma sauce, hein. Et ça apporte un petit quelque chose, je trouve, qui est pas moche. Hop, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime. Après, c'est encore une fois, c'est fait à l'arrache et à ma sauce. Hein.
C'est pas forcément les reflets qu'on peut trouver dans une bulle, mais je m'en fiche. Donc, voilà pour ça. J'aime beaucoup le rendu. Je verrais bien même des petites gouttes blanches dessus. Mais pour ça, il va me falloir. Hop, je vais prendre une feuille de brouillon. Parce que j'en veux pas trop. Je prends mon gros marqueur blanc. Mon gros marqueur, mon gros Posca blanc. Et. Petit peu grosse là, mais écoute. J'aimerais bien qu'elle tombe là où je veux en fait. Hop, pardon. Je vous fais bouger. Et là, le problème, c'est que si je veux faire pareil en haut, il va falloir que j'attende que ça sèche. C'est comique. Là, il y en a un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Hop, hop. Hop. On va pas attendre. On va faire comme ça. Puis je vais tenir ma feuille, tout simplement. Je vais la tenir comme ça. Oh, pas trop généreuse d'un coup. Là, c'est plutôt pas mal. Hop. Je dirais même qu'il m'en manque d'un coup en bas là. Ils sont pas bien grosses. Ouais, mais c'est mieux quand c'est aléatoire. Donc, là, je disais qu'il y en avait trop tout à l'heure, mais au final, j'en rajoute. Bon, je vais laisser sécher ça 5 minutes et je reviens après. Bon, c'est pas sec à 100%, mais j'ai envie de continuer, donc on va continuer. Déjà, on va venir mettre Dory. J'avais dit, je mettrais une couleur plus, puis éventuellement du jaune. J'ai pas mis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprendrai pas le tout petit tampon bulle? Hop, je nettoie. Parce que je n'avais pas fait avant. Ça va faire beaucoup, mais j'en mettrais bien les petites jaunes. Question de faire un tout petit rappel. Alors, attendez. Hop. J'essaye sur ma feuille de brouillon. Ouais. C'est vraiment léger, mais c'est question de faire un petit rappel. Voilà. On va mettre quelques-uns par-ci, par-là. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose à l'écran. Je vous rapprocherai après pour vous montrer. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir? On voit un petit peu là, là, là. Bref, c'est très léger, mais on les aperçoit. Du coup, je vais prendre, pardon, je vais prendre la taille du dessus, un petit peu plus grand. Hop. Et pareil, je vais en refaire par-ci, par-là. Hop. Et du coup, j'aurais bien aimé quand même mettre l'autre bleu. Sauf qu'au bout d'un moment, 3 millions de bulles, c'est suffisant, quoi. Donc j'hésite. Dans mes autres pochoirs, j'avais quoi? Ouais, mais non, ça va faire beaucoup trop. Ça va faire beaucoup trop. Je dois avoir des petits ronds. Je reviens. Cette planche, j'ai des petits ronds ici, tout petit petit. Attendez, hop. On va prendre ça du coup, hop, et on va les faire en Stormy Sky, en bleu un petit peu plus foncé. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Ils aiment bien, ils aiment bien, ils aiment bien. Par contre, juste.
J'ai l'impression qu'il est mal nettoyé mon tampon. Du coup, je vais venir le nettoyer. On est déjà à 30 minutes. Peut-être que je m'active un petit peu. Vous voyez, quand je pense faire du tout simple, ça reste quand même super long. Hop, là. Du coup. Là, on va les mettre un petit peu aléatoirement. Hop. Je dis aléatoirement, en fait, je recherche une position, dans une place. Ici, ici, un petit peu ici, bref, de la bubule quoi, de la bubule, de la bubule. Allez, go, je m'arrête, faut pas abuser. Du coup, on va mettre, on va coller Dory, on va aller chercher mes petits sentiments, mes petites phrases. Oula, fauteuil qui craque. Et ma petite phrase, c'est « Bonjour, je m'appelle Dory ». Sauf que « Bonjour, je m'appelle Dory » et « Bonjour, je m'appelle Dory ». Voilà. Oui, c'était une petite blagounette, ce qui me fait rire moi personnellement. Après, bah, du coup, vu qu'elle me fait rire, ben, je la mets. Je suis en train de mettre ça un petit peu à l'arrache. En même temps, je ne vais pas les mettre droite. Bon, ça pourrait être bien aussi. J'aime pas quand tout est droit et carré, moi. Hop, hop, hop. Je fasse attention parce que ma... Bon, elles ont l'air sèches, mais bon, ça accroche un petit peu. Du coup, on la remonte un petit peu. Moi, j'aime bien. Comme ça, plutôt, peut-être. Hop, hop, et hop. Ouais, j'aime bien. Allez, go. Bon, je pense que vous aurez compris le délire des répétitions trois fois de suite. Bonjour, je m'appelle Dory. Je l'ai imprimé en format de taille de police un peu plus grande, un peu moyenne et un peu petite. Un peu. Je sais pas ce que le un peu vient de faire dans ma phrase, mais bon, c'est pas grave. En grand, en moyen et en petit. Question d'avoir en trois fois, mais pas de la même taille. Voilà. Et Dory, ben c'est un petit peu moi, donc je trouvais ça juste logique de me servir de... Oula! De cette image. J'ai mis de la colle, voilà. Je trouvais ça rigolo. Je sais plus comment j'avais mis les choses, voilà. Je prends, je fais, puis je zappe. Bon, ben elle sera là. Hein. Hop! Dernière part ici et on va coller notre petite Dory. Ouais non, j'aurais pu la mettre en 3D mais non, pas envie, pas envie, pas envie. Je me dépêche à coller. 33 minutes, c'est abusé, c'est abusé. Hop, ok, donc on a dit on venait la mettre par ici. Ouais, allez hop. Et on est plutôt pas mal. Il nous manquera juste à mettre le petit tampon pour la date. On est le 28 mars. Donc là, on était le 8. Qu'est-ce que j'avais fait? Bon, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. 28 mars. Hop, ma VersaFine. C'est bien ça, le 28-03. Ouais, ma fille qui sait plus la date. Et bon, on va le mettre en dessous, ici. Et voilà, 28 mars. Par contre, je pense que je vais venir fignoler. Ouais, je sais, j'ai dit que j'avais déjà assez abusé, mais c'est pas grave. Crystal Drop, transparent.
Et je pense que je vais venir remplir certaines bulles. Ouais, ça va peut-être faire beaucoup, hein. Hop. Je prends la plus petite dans le tampon où il y a plusieurs bulles comme ça. Dans ce tampon-ci. Je vais prendre la plus petite. Mais ouais, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais bon. Mais bon. Bon, au final, il n'y en a que trois. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ben, vous savez quoi? Je vais venir faire mes muses et mettre quelques cristal drop par-ci par-là. Un peu comme des gouttes d'eau. J'aime bien. Ah, je mettrais bien du bleu. Non, faut pas abuser. C'est-à-dire, je mettrais bien du cristal drop bleu, mais non. Non, 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 non. Ça suit. Oh! Hop là! J'avais mal fait celle-ci. J'ai tout écrasé. Donc, je la refais. On va faire des un peu plus grosses que d'autres. On est pas mal là, non? Je dis ça, j'en rajoute comme toujours. Par ici, peut-être. Une petite là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, moi, je trouve ça super joli. Puis comme elles sont transparentes, ça va faire super sympa, je pense. Une fois sec. Allez, je m'arrête là. C'est fini. On est déjà à 37 minutes. Désolée pour la longueur de cette vidéo. C'est marrant, hein? C'est toujours quand je suis inspirée que j'ai des idées que, au final, et qu'il n'y a pas grand-chose au final dont je trouve pas qu'il y ait grand-chose, bien que ce soit chargé. Mais bon, bref, que ça dure super longtemps. Voilà, ma petite page sur le thème poisson. Je kiffe. Je kiffe. Voilà, c'est un autoportrait de moi-même. Je trouve super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme toujours. J'aime avoir vos avis, vos réflexions, vos remarques quand elles sont constructives. Quoi qu'il en soit, moi, j'arrête mon blabla là. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!